garçon que tu connais, non, tant mieux pour toi, moi j'y suis né. Cette soi-disant ville en action tellement méprisée, devenue la risée. T'as voulu voir Vierzon comme dit Jacques Brel. Tu veux vraiment voir l'exemple d'une régression sociale et culturelle. Toutes les usines ont fermé, pouvoir d'achat a diminué. Les gens ne sortent plus, sauf peut-être pour aller au marché. Le théâtre a rouvert pour satisfaire les vieux chéris. Mais monsieur le maire, a-t-il vraiment pensé aux jeunes des Tessis? La seule éclaircie de cette noircie est le 21 juin. Fait de la musique ou de la République, trop bien. Je ne peux plus supporter l'hypocrisie de mon coloré. Rapatriement à Vierzon, c'est même pas la peine d'y penser. Vais-je enfin trouver un lieu en accord avec mes idées où régnerait la paix, le respect, la solidarité? Pourquoi mes idéologies partent-elles en fumée? Est-ce que je dois en conclure que l'homme est mauvais? Vais-je enfin trouver un lieu en accord avec mes idées où régnerait la paix, le respect, la solidarité? Pourquoi mes idéologies partent-elles en fumée? Rapatriement en utopie, faut pas rêver. La société occidentale que le monde entier nous envie, ne voyez-vous pas que cette culture est pourrie? Comprendrai jamais pourquoi en bas de chez moi des mecs crèvent la dalle. 10% qui détiennent 90% du capital. Je sais, je me répète, mais je crois qu'on le dira jamais assez. De lutter contre cette putain de société où tous les leaders positifs ont été assassinés. Rapatriement aux US, ça me fait pas ça, par pitié. Et tous ces beatniks de 68, tous ces babos qui avaient l'illusion de se battre pour quelque chose. Après s'être enrichis, ils ont su retourner leur veste. C'est encore les prolos qu'on a enculés à sec. Il n'y a jamais vraiment eu de changements fondamentaux. Les seuls et uniques progrès pour moi ont été musicaux de cette période. Il nous reste plus que les overdoses. Rapatriement à la Sorbonne, non merci, je crois plus en cette cause. Vais-je enfin trouver un lieu en accord avec mes idées où régnerait la paix, le respect, la solidarité? Pourquoi mes idéologies partent-elles en fumée? Est-ce que je dois en conclure que l'homme est mauvais? Vais-je enfin trouver un lieu en accord avec mes idées où régnerait la paix, le respect, la solidarité? Pourquoi mes idéologies partent-elles en fumée? Rapatriement en utopie, faut pas rêver. En Union soviétique, comment être arrivé à ça? J'ai jamais crié Staline pour qu'il revienne là-bas. Comment au nom du communisme peut-on faire tous ces dégâts? Comment avoir à nouveau confiance en ces idéaux-là? On peut pas forcer les gens à être heureux, on peut surtout pas penser pour eux, sans eux. Aurais-je un jour la chance de voir le communisme de mes yeux? Parce que rapatriement en URSS, ce n'est pas mon vœu. Et pourquoi pas une île déserte avec mes potes? On suit bien nos propres règles, nos propres lois, idéologie sans bien. Seulement du gros son, à longueur de journée. Même si à la balbac, ce sera toujours l'eau le premier. T'en connais des groupes qui poussent à la créativité. Je les remercierai jamais assez de m'avoir poussé à me dépasser. Finalement, je suis pas mal tombé en arrivant dans ce crew. Rapatriement à On Foot Town. Tentons le coup. Vais-je enfin trouver un lieu en accord avec mes idées où régnerait la paix, le respect, la solidarité? Pourquoi mes idéologies partent-elles en fumée? Est-ce que je dois en conclure que l'homme est mauvais? Vais-je enfin trouver un lieu en accord avec mes idées où régnerait la paix, le respect, la solidarité? Pourquoi mes idéologies partent-elles en fumée? Rapatriement en utopie, faut pas rêver.